Dreamer Cap Life. Donc, petit van sur base Ford, 5,34 m de long. Donc, le prix de base 44 000 €. Ici, le modèle présenté autour de 48 000 €. Donc, c'est un petit van à toit relevable, 4 places carte grise, 4 places couchage. Donc compact, hein, 5,34 m, et en hauteur il est autour de 2 m quand le toit est abaissé. Alors il faut faire attention à sa tête quand on entre dedans, parce que les toits en fait relevables, il est assez bas sur l'entrée, donc il faut faire attention. Alors il y a un double, un salon face-face, mais dans le sens de la marche. Donc pour 4 personnes c'est jouable. Hein. Il y a la cuisine avec une petite extension ici. Il y a aussi un tabouret ici, enfin un tabouret avec un rangement en dessous. Alors est-ce qu'il y a, pas d'extension sur la table? Je ne sais pas si elle. C'est un peu dommage parce qu'il y a le tabouret, donc ça pourrait faire. Enfin, ça fait une personne supplémentaire éventuellement, mais bon, il y a une petite distance entre le tabouret et la table. Alors vers l'arrière, la hauteur sous plafond est évidemment plus importante. Donc il y a la cuisine ici, donc à combiner deux feux gaz et puis un petit évier avec tuyauterie rabattable. Bon, il y a des tiroirs, hein, beaucoup de tiroirs, mais c'est des petits tiroirs évidemment, hein. Il y en a 6 a priori. Donc là on voit un peu ce que ça donne. Donc il y a a priori une penderie ici. Derrière la cuisine. Sur l'arrière il y a aussi un tout petit réfrigérateur. Mais c'est sympa comme tout, c'est mignon comme tout. Et avec un freezer aussi là. Hein. Donc a priori électrique, des rangements ici. Ici je ne sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être un toilette qui se cache en dessous, à vérifier. Oh, je ne veux pas casser le truc. Le tableau de commande il est ici. Là il y a une douche. Donc vu depuis l'arrière, ça donne ça. Donc encore un petit rangement ici. L'échelle pour monter sur le lit. Alors, donc ici, je ne sais pas ce qu'il y a. A priori, il n'y a rien. Des rangements. Ici aussi. Et puis là, des petits rangements aussi. Donc un petit véhicule. Et pour près de 50 000 €.